Netflix a dévoilé les premières images du documentaire du prince Harry et de Meghan Markle. On découvre de nombreuses images intimes du couple dans ce teaser. On trouve également une étrange photo du prince William et de Kate Middleton. Les Sussex mettent la pression. Alors que Kate Middleton et le prince William sont à Boston pour leur première visite d'État depuis 2014, Meghan Markle et le prince Harry leur ont volé la vedette. CST en effet ce jeudi 1er décembre que le couple a choisi pour dévoiler les toutes premières images de son documentaire événement qui sera diffusé prochainement sur Netflix. Dans cette bande-annonce, qui dure un tout petit plus d'une minute, les internautes ont pu découvrir plusieurs photos des Sussex dans leur intimité. On découvre ainsi Meghan Markle berçant son bébé, le prince Harry jouant de la guitare et le couple dansant à leur mariage, mais aussi les Sussex assis sur leur canapé ou encore en vacances. Personne ne voit ce qui se passe derrière des portes closes, lance aussi le prince Harry en fond d'une image forte de Meghan Markle au téléphone, se tenant la tête entre les mains. J'ai dû tout faire pour protéger ma famille, ajoute aussi le prince Harry alors que ces images en noir et blanc se succèdent. Et parmi tous les clichés intimes partagés par les Sussex, une photo retient particulièrement l'attention, il s'agit d'une photo du couple mais aussi de Kate Middleton et du prince William. Quand les enjeux sont si élevés, n'est-il pas logique d'entendre notre histoire de notre point de vue ? Conclut la duchesse de Sussex dans ce teaser explosif. Faut-il y voir une attaque frontale pour les Cambridge? Pour le savoir, il faudra attendre quelques semaines que le documentaire sur la vie de Meghan Markle et du prince Harry soit enfin diffusé sur Netflix. Selon Page 6, il se pourrait que les téléspectateurs puissent le découvrir dès le 8 décembre prochain, mais cette date n'a pas été confirmée. Meghan Markle, ce documentaire, un morceau de S, avion découvrira donc à ce moment-là si les Sussex décident de régler une fois pour toutes leur compte avec la couronne britannique et notamment avec Kate Middleton et le prince William. Car si l'on fait front commun en Angleterre après la mort d'Elizabeth II, les Sussex et les Cambridge n'ont pas renoué les liens. En visite aux États-Unis d'ailleurs, le prince et la princesse de Galles ne comptent pas faire un détour dans leur itinéraire pour passer du temps avec le prince Harry et Meghan Markle. Sur place, Kate Middleton et le prince William ne seront pas distraits, a assuré un porte-parole, l'équipe du palais est très consciente de Meghan et Harry, mais elle n'a pas peur qu'ils leur fassent de l'ombre. William est le futur roi. Harry a suivi son chemin, elle fait son podcast, ils ont leurs problèmes, mais le palais ne va pas en avoir peur. Ce qui est sûr, c'est que Meghan Markle et le prince Harry attendent impatiemment la diffusion de ce documentaire. C'est bien de pouvoir faire confiance à quelqu'un pour notre histoire, un réalisateur chevronné dont j'admire le travail depuis longtemps, même si cela signifie que ce n'est peut-être pas la façon dont nous l'aurions raconté, confiait la duchesse de Sussex dans les colonnes de Variety. Meghan Markle a également expliqué précédemment à The Cut que ce documentaire se concentrera sur sa relation avec le prince Harry. Il s'agira du morceau de ma vie que je n'ai pas pu partager, que les gens n'ont pas pu voir. De notre histoire d'amour, résumait la maman d'Archie et de Lilibet, sans en dire davantage.